Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, je vais remplacer la poignée du lanceur sur la style lâchée. Bon, ça tient par 4 vis. Une, deux, trois et quatre. Je les avais déjà prédesserrées, hein. C'est pour ça qu'elles sont faciles à enlever. Voilà, ça se présente comme ça. Quand on tire dessus, ça écarte les petites ailettes qui vont entraîner le moteur pour le démarrage. Donc pour remplacer la corde, tout l'ensemble d'ailleurs, il faut que je vérifie si la longueur de la corde c'est la même par rapport à ce que j'ai acheté. Hop, tac. Ça ressemble bien, hein, y a pas de souci. Et puis j'ai pas envie de démonter tout, donc je vais essayer de trouver une solution pour enlever simplement la corde, pour faire le nœud et puis remettre ça en place. Allez, go. Voilà, je l'ai détendu là. Bon, la corde elle est largement assez grande. Je vais la recouper, faire le nœud. On a les mêmes caractéristiques. Pour retirer le petit nœud ici, là je vais prendre un tournevis fin. Je vais revenir. Serré, je vais aller chercher des pinces pour tirer dessus. La dernière fois je me suis foutu le tournevis dans les doigts, c'est bon, pour recommencer deux fois les mêmes conneries. Allez, à tout de suite.
Voilà. On verra pas à la caméra parce que c'est un peu en biais. Donc ça rentre sur le côté, ici, ça ressort là. Ah super, ça passe pas. Du coup, je vais régler la longueur. Toc. Plus le petit bout que j'ai coupé, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Opération inverse, je le repasse dedans. S'il veut y aller. Voilà, passer dedans, on va cramer le bout. On va éviter que ça s'effiloche de trop. Le petit nœud. Puis on met tout dans. Dans son logement. Dedans. Donc là il me reste juste à retendre le ressort et puis laisser rembobiner la ficelle. Faut le tendre quand même assez. Hein.
Voilà. N'a plus qu'à remonter. La grande vis, elle vient ici. Pas la même que les autres, c'est la seule qui est différente. Bon, opération terminée.